Le personnel du service du Trésor public a effectué une grève d'avertissement ce jour en signe de solidarité avec le DG du Trésor, soupçonné de détournement de fonds. Trois kidnappeurs de Karan ont été abattus par les forces de l'ordre dans la nuit du samedi dernier à Antanmur. D'après les renseignements reçus par les forces de l'ordre, ces bandits étaient sur le point de kidnapper un opérateur économique indien. Ce sont les jeunes adolescentes âgées de moins de 15 ans qui sont facilement atteintes du VIH-Sida actuellement, d'après les enquêtes effectuées par le CECNLS. Et enfin, à l'étranger, l'accord tant attendu a été conclu ce week-end à Genève après 5 jours d'âpres négociations sur le nucléaire iranien. Bonsoir et bienvenue dans le journal de 19h de TV Plus Madagascar. À la une de l'actualité de ce jour, le personnel du service du Trésor public a effectué une grève d'avertissement. Ce jour, aucune prestation n'a été assurée dans ce service de toute la journée. Cette manifestation a été décidée en signe de solidarité avec le directeur général du Trésor, soupçonné de détournement de fonds, et pour appuyer la revendication de la mise en place d'une transparence dans la gestion du Trésor public. L'ensemble du personnel du Trésor reprendra le travail à partir de demain. Antara Larsou et Omega Nefton. Le directeur général du Trésor a été convoqué à la section de recherche de la gendarmerie à Fiadan en vendredi dernier en tant que témoin et non en tant que personne suspectée, d'après les affirmations du commandant de la CIRGN ce jour. En effet, les deux individus auteurs de la tentative de détournement de fonds avaient annoncé dans le courant de leurs enquêtes que le directeur général du Trésor était au courant de cette affaire, ce que ce dernier n'a pas nié quand il fut interrogé par téléphone par les forces de l'ordre. Il fut néanmoins convoqué à se présenter auprès de la section de recherche de la gendarmerie. C'est cette initiative de la section d'enquête qui a embarrassé le directeur général du Trésor et son personnel, selon toujours le commandant de la CIRGN. Ce dernier a précisé qu'il ne s'agit nullement d'un soupçon de détournement à l'encontre du DG du Trésor. Par solidarité envers leur directeur général, et en guise d'appel à la transparence dans la gestion du fonds public, l'ensemble du personnel du service de Trésor a effectué une grève d'avertissement ce jour. Aucune prestation n'a été assurée dans ce service durant toute la journée. Il avait été convoqué donc en tant que complice pour de l'argent qu'il avait bloqué, parce que bon, il y a les procédures qui n'étaient pas claires, tout était flou dans cette histoire. Et le fait d'avoir bloqué le décaissement de cet argent lui a valu cette convocation. Voilà, en termes généraux, la raison pour laquelle le personnel du Trésor public avait décidé d'observer une journée de grève. Les services du Trésor reprendront leur cours normal à partir de demain. D'après le rapport de la CIRGN cet après-midi, les deux auteurs du détournement sont des anciens employés de la présidence de la transition et des usurpateurs de fonctions. À notre titre, trois présumés kidnappeurs de Karan ont été abattus par les forces de l'ordre dans la nuit du samedi dernier à Antanmur. D'après les renseignements reçus par les forces de l'ordre, ces bandits étaient sur le point de kidnapper un opérateur économique indien. Informés à l'avance, les forces de l'ordre étaient déjà sur place lors de la tentative de kidnapping. Les bandits ont résisté à leur arrestation, ce qui a obligé les forces de l'ordre à tirer. Cinq autres membres de ce réseau de kidnappeurs ont pu échapper aux forces de l'ordre samedi. Les forces de l'ordre avaient reçu il y a une semaine une information selon laquelle un kidnapping allait avoir lieu dans les environs d'Antanmur. Cette source d'information avait révélé les détails de l'intervention, entre autres, l'heure et l'endroit où devait se dérouler l'action. Fort de cette information, les éléments des forces de l'ordre se sont positionnés dans les parages d'Antanmur dans la nuit de samedi. Et voilà que, effectivement, des individus sont arrivés sur les lieux et ont demandé après un opérateur économique indien. Mais ils n'ont rien tenté dans l'immédiat. Ils sont repartis et allés à Mbujakil pour revenir quelques instants après à Antanmur. C'est alors que les éléments des forces de l'ordre sont passés à l'action. Essayant de les arrêter, mais ils ont essuyé des coups de feu de la part des bandits. Ce à quoi ils ont riposté par des rafales de tir pour se protéger et pour pouvoir les arrêter.
Après ces accrochages, trois des kidnappeurs ont été blessés à mort, tandis que cinq autres ont réussi à prendre la fuite. Des armes de guerre, entre autres un Kalachnikov, ont été trouvées auprès des kidnappeurs abattus. Le Kalachnikov trouvé avec les kidnappeurs appartiendrait au général défunt Ramananarive, tué à Andouan-Manchsez, selon toujours les forces de l'ordre. Un passant de 38 ans aurait été atteint à la tête par une balle perdue lors de ses échanges de tirs d'après sa famille. Cet homme est toujours à l'hôpital de Sovnanjina jusqu'à ce jour. Sa famille se plaint du manque de sollicitude de la part des forces de l'ordre face à cette situation. De son côté, le commandant de la CIRGN a nié l'existence de victimes collatérales cette nuit-là. Et puis dans la page politique, la plupart des électeurs malgaches ne connaissent pas vraiment le rôle et les fonctions des députés. Selon le KMF, Kunoé, certains candidats aux législatives pourraient être tentés de se rendre coupables de démagogie pendant leur discours de propagande. La campagne électorale pour les élections législatives jumelées avec le deuxième tour de la présidentielle débutera ce vendredi 29 novembre. Jairan Jamar, Yves Rassat. Les contrôles et le suivi des campagnes électorales pour les législatives s'avèrent un peu compliqués, selon le KMF Knoué, pour la simple raison qu'elles se dérouleront parallèlement avec la campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. La plupart des électeurs n'ont aucune idée de la fonction des parlementaires et cela pourrait inciter certains candidats à faire de la démagogie pendant leur propagande. Selon toujours le KMF Knoué, la fonction des députés est d'élaborer des projets de loi et de les voter, de plaider en faveur de projets de développement pour les habitants de leur circonscription. Les parlementaires ont également le devoir de faire des rapports auprès de la population de leur circonscription sur les programmes de l'exécutif. D'après toujours le KMF Knoué, les parlementaires n'ont pas le pouvoir de bâtir des infrastructures. Ce qui n'était pas souvent le cas lors des précédentes élections législatives, puisque bon nombre de candidats avaient promis de construire des infrastructures, comme des routes par exemple. Ainsi, le KMF Knoé met en garde les électeurs contre la démagogie des candidats aux élections législatives. Cette structure d'éducation citoyenne préconise la tenue locale de débats publics auxquels participent tous les candidats d'une même circonscription. Et toujours dans la même page, les candidats aux prochaines élections législatives qui ont des projets relatifs aux infrastructures de la ville d'Antananarivo devraient demander une autorisation à la commune avant de commencer leurs travaux selon le directeur technique de la commune urbaine d'Antananarivo. Seul un candidat qui a demandé cette autorisation selon encore les explications. Mikirandi Moula, Sarfi Drakoutmanal. Des candidats aux prochaines législatives dans la ville d'Antananarivo ont déjà inauguré des infrastructures afin d'influer sur le choix des électeurs. Il s'agit de réhabilitation de ruelles, de curage de canaux, de construction de passerelles dans les bas quartiers. Selon les explications du directeur de la commune urbaine d'Antananarivo, ces candidats ne respectent pas les réglementations de la commune. Aucun de ces candidats n'a demandé l'autorisation préalable de la commune. Le directeur technique de la commune a rappelé que son service devrait être au courant de tout ce qui se passe dans la commune. Il a mentionné que c'est à la commune de réhabiliter ou de créer des infrastructures chaque année, surtout pendant la période de pluie. La commune ne pensera jamais à s'opposer aux demandes de ces candidats si l'intérêt public de leur projet est avéré. La commune urbaine d'Antananarivo se réserve toutefois le droit de contrôle sur ses réalisations. Jusqu'à ce jour, seulement un candidat a demandé cette autorisation à la commune. Ce candidat a un projet portant sur l'éclairage public. La commune urbaine d'Antananarivo lui a donné le feu vert. Travaux forcés à perpétuité pour les deux hommes, prison ferme de 20 ans. Plus de 5 ans d'interdiction de sortir de la province d'Antananarivo pour la femme, le tout assorti d'une amende de 50 millions d'ariary. Tel a été le verdict rendu par le tribunal dans l'affaire de meurtre d'un marchand de voitures habitant Mandjakaray en juin 2012. Cette affaire a comparu devant le tribunal ce jour. Mikirandi Moula et Alfidira Koutoumanal.
19 mois après le meurtre d'un marchand de voitures habitant Manzakaray, le verdict est tombé ce jour au palais de justice d'Anousi. Les trois suspects, deux hommes et une femme, avaient déjà été placés sous mandat de dépôt avant leur comparution devant le tribunal ce jour. À titre de rappel, la famille de la victime a expliqué qu'un inconnu avait appelé le numéro affiché sur la voiture à vendre. Après négociation, les deux parties, à savoir le marchand de la voiture et le couple intéressé, s'étaient donné rendez-vous à Manzakaray. Ils avaient roulé à bord de la voiture jusqu'à Ambucharaab, soit 10 ans pour l'essayer. C'était là-bas que le couple acheteur avait perpétré le crime avec le concours de leur employé de maison. Les assassins avaient ficelé le corps, l'avaient mis dans un sac avant de l'enterrer dans un fossé à Mbouimang. Après l'enquête des éléments de force de l'ordre suite à la plainte déposée par la femme du défunt, l'employé du couple avait été arrêté. Il avait dit toute la vérité aux éléments de force de l'ordre et le couple avait été aussi appréhendé. Cette affaire a comparu devant le tribunal ce jour. Travaux forcés à perpétuité pour les deux hommes, prison ferme de 20 ans, plus 5 ans d'interdiction de sortir de la province d'Antananarivo, tel est le verdict rendu par le tribunal ce jour. Ce sont les jeunes adolescentes âgées de moins de 15 ans qui sont facilement atteintes du VIH-Sida actuellement, d'après les enquêtes effectuées par le CNLS. Après les jeunes filles qui s'adonnent très précocement aux rapports sexuels, la pratique du multipartenariat a été également constatée chez les militaires, d'après toujours ce rapport. Des efforts sur la communication pour le changement de comportement et des services de dépistage du VIH-Sida sont encore à renforcer pour la Grande Île, d'après la CNLS. Sibylla Ndemozav, Omega Nefton. Les jeunes filles de moins de 15 ans sont très rapidement tentées par les relations sexuelles. D'après le rapport présenté par le Comité national de lutte contre le sida, ou SECNLS. En effet, la proportion des jeunes qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans a augmenté. Pour les filles, le pourcentage est monté à 41% s'il était de 38% en 2008. Chez les garçons, une nette augmentation a également été enregistrée, passant de 29% en 2008 à 36%. La consommation d'alcool et de drogue constitue un des facteurs qui prédispose les jeunes à des comportements à risque, d'après toujours le SECNLS. Selon toujours le rapport, la pratique du multipartenariat est fréquente chez les militaires. Les 59% des militaires enquêtés ont déclaré avoir eu plus d'un partenaire sexuel. 24% affirment avoir eu des rapports sexuels monnayés au cours des 12 derniers mois. Cette situation présente une augmentation significative entre 2008 et 2012, passant de 9% à 24%. Ainsi, des efforts sur la communication pour le changement de comportement et des services de dépistage du VIH-Sida sont encore à renforcer pour la Grande Île, d'après le SECNLS, surtout au niveau des jeunes. Durant la célébration de la Journée mondiale du Sida, les 6 et 7 décembre à Antirabé, les sensibilisations seront amplifiées en vue d'atteindre l'objectif qui tend vers l'annihilation du virus VIH-Sida. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. À demain.